Bonjour, alors je suis allé faire un petit tour chez Samuel Etienne, puisque je vous l'avais dit il y a 15 jours que le nouveau grand champion c'était Xavier des 12 coups de midi. Donc j'arrive, tac tac tac, tiens Samuel Etienne, toujours aussi sympathique, tiens, qu'est-ce que je vois arriver? Eh bien on a pu voir donc Benoît des 12 coups de midi, donc voilà, toujours aussi sympatoche. Voilà, donc il y avait aussi Julie, Christine et puis Nicolas. Et puis bah alors, il est où? Il est où le Xavier? Eh ben le Xavier a été éliminé la semaine dernière. Eh ben j'avais pas vu. Et ouais, il a été éliminé donc la semaine dernière. J'ai essayé de voir pour voir s'il y avait le podcast de l'émission. Ben, ça a été effacé. Donc j'ai pas pu le voir se faire éliminer. Et donc le nouveau grand champion, c'est ce monsieur, je crois, qui s'appelle le Thierry. Donc bon, ben voilà. Le Benoît, il a parlé un petit peu de lui. Donc il s'occupe d'un podcast sur internet qui s'appelle Tu l'as vu, mon cul! Donc voilà. Donc ça peut vous intéresser. Je pense que vous pouvez le trouver sur Facebook. Donc Christine avait l'air pas mal forte quand même. Donc bon, ben voilà. Elle n'a pas fait le 4 à la suite. Mais par contre, eh bien, quand ça a été au tour de Benoît, eh bien oui, il a fait lui le 4 à la suite. Donc tu te dis que quand même, il y a du level. Donc voilà, donc bon, bah, comme on a pu voir après, donc Benoît et Christine se sont retrouvés en duel. Donc au début, bon, ça commençait pas très bien pour le Benoît, comme on peut voir, 3-5, après, hop, 5-5, après 7-5, ah quand même, après 8-7, ouh là là là, après 8 à 9, ah là là là, bah, dis donc, et puis après vous aviez 11 à 9, et après, eh bien le Benoît a battu Christine, et c'était pas sur des questions de bébé, franchement, bravo, parce que elle était pas mal forte, la dame Christine. Donc après, donc ils se sont retrouvés donc Benoît et puis le grand champion, donc voilà, Thierry. Puis alors au début, donc 0-0, c'est normal. Après 0-4, ok. 8 à 14, oulala. Après 8 à 21, oulala. Et puis bah voilà, donc 8 à 21, et bien voilà, nous avons donc un nouveau grand champion dans l'émission. Question pour un super champion, et bien c'est Benoît. Donc, eh bien, bravo à lui. Donc, ça prouve que c'était quand même un grand champion. C'est dommage que. Tiens, bah justement, en parlant de dommage, j'ai retrouvé donc les rédacteurs de l'émission des 12 coups de midi. Les voici. Et voici les rédacteurs de questions pour un super champion. Donc, alors, bon, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, eh bien, le Bruno ne fera pas question pour un champion. Donc, bon, bah. Voilà, tant pis. Et puis regardez ce monsieur, donc je crois qu'il s'appelle Emmanuel. Ça a été le plus grand champion des chiffres et des lettres. Il a fait donc le grand slam. Et je me demande si c'est pas lui qui va bientôt être le nouveau grand champion des 12 coups de midi. Donc c'est à vérifier, c'est à vérifier. Donc je pense que Bruno va être éliminé donc bientôt, puisque bon, il va dépasser le million, etc. Il y a un moment, bon, bah, il va saouler un peu tout le monde. Donc, bon, je pense qu'il y aura un nouveau champion. Alors, est-ce que ça va être Emmanuel ou pas? Eh bien, on verra plus tard. Donc, sinon, bah, les t-shirts, bah, vous avez le t-shirt des 4 à la suite. Hein, donc, c'est les Beatles qui traversent à Abbey Road. Et puis, vous avez mon nouveau t-shirt Fuck Australia, puisque les Australiens ont annulé le contrat d'achat des sous-marins. Donc, c'est un sous-marin hein, qu'on peut voir sur la gauche. Donc, tout ça sur le site romignon.com. Et sinon, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.